Alors, vous venez passer les vacances en Zambie? Laissez-moi deviner, vous venez de L.A. New York, alors? Oui. Oh, Monsieur Conrad ne se joint pas à nous ce soir? Il y a deux jours, il m'a annoncé qu'il voulait divorcer. Il y a deux heures, je suis arrivée dans cet hôtel où je vais passer notre deuxième lune de miel en célibataire. Les gens viennent souvent se perdre ici pour retrouver leur chemin. Oh, merci beaucoup, Yoda. Oh, vous aussi, vous faites l'excursion? Oui, Derek Holliston. Si vous voulez vous plaindre à mes supérieurs. Oh, vous êtes le pilote. On survole la plus grande réserve du continent. Approchez-vous bien, on va se poser quelques minutes. Comment ça, mais où est-ce qu'on va se poser? Restez dans l'avion, s'il vous plaît. Je vais revenir. Des braconniers, ils ont tué la mère pour couper ses défenses. Si on n'aide pas cet éléphanto, il sera mort dans deux jours. Je veux rester avec lui. Ça, je l'avais pas vu venir. Salut maman, c'est bien ton safari? Eh bien, j'ai fait un petit détour. Est-ce qu'il va s'en sortir? Il est dans un état critique, mais on va faire de notre mieux. Je suis dans une réserve entourée par des animaux sauvages. Tiens, New York. Oh, je suis désolée, je... Tu vas rentrer, rassure-moi. Cette année, on va passer à Noël africain. C'est quoi, un Noël africain? Je ne sais pas si ça se passe comme ça sur tout le continent, mais ici, à l'orphelinat pour éléphants, les festivités durent toute la semaine et on ne fait pas le moindre achat. Je commence vraiment à m'inquiéter. Je vais rentrer chez moi et je ne sais pas ce que je suis censée faire de ma vie. Peut-être ce que vous faites ici? C'est comme ça que ça commence. Vous rencontrez un éléphant et vous avez un ami pour la vie. Prenez soin de mon éléphant. Notre éléphant! Et Derek. Il n'y a rien entre nous, on est amis, rien de plus. Puisque vous repartez sans avoir eu droit à votre fabuleux safari 5 étoiles, j'aimerais vous emmener en faire un. Enfin, ce sera moins luxueux. Combien d'étoiles? 3? Disons plutôt 2. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas ouvert ton cœur. Si j'ai appris quelque chose ici, c'est qu'il ne faut jamais trop s'attacher. Je n'avais vraiment pas prévu de rester aussi longtemps. Vous êtes tombée amoureuse? Hein? De l'Afrique. Ça alors? Quoi? C'est du hou? Non, ça c'est pas du hou, n'importe quoi. Si, c'est ce qu'on appelle du hou africain. Oui, oui.